Le Dozoya, quelle perspective pour une jeunesse en quête d'enracinement culturel et patrimonial? Tel était le thème de la conférence publique organisée par le mouvement estudiantin et culturel. 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Cet événement, tenu le mercredi 10 juillet 2024, a offert une plateforme enrichissante de réflexion et de dialogue sur le Dozoya, une tradition précieuse qui pourrait bien façonner l'avenir culturel de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse se pose un certain nombre de questions. Surtout, comment revenir aux sources? Parce que, en fait, on se rend compte que nous sommes à une période de la civilisation humaine qui fait que, les gens ont pris conscience d'un certain nombre de choses. Il y a certains mensonges qui ont été véhiculés pendant des siècles, mais qui, ces mensonges-là, aujourd'hui, en fait, sont en train de faire place à la vérité. La vérité, en réalité, sur nos traditions, sur nos valeurs, et sur nos coutumes. Donc, en fait, la jeunesse est consciente de ça. Maintenant, elle se pose la question, puisque c'est comme si les traces avaient été effacées. Comment retrouver ce chemin-là de revenir à la maison? Donc, c'est ce qu'on a développé à travers ce thème. Et nous pensons que le Dozoya peut être une des pistes. Parce que le Dozoya, c'est vraiment une des voies qui peut s'offrir à la jeunesse, parce qu'on ne va pas lui demander un certain nombre de critères. Ça veut dire que, comme on l'a dit, c'est sans exclusion, et le Dozoya, on ne va pas tenir compte d'un certain nombre de caractéristiques du candidat, notamment l'ethnie, la communauté, la région, la religion, le statut social, etc. Donc ça veut dire que ça permet à la grande majorité de la jeunesse de pouvoir faire ce retour-là vers d'abord une première porte qui va leur permettre d'arriver maintenant dans la porte peut-être qui est la porte originale, peut-être la porte même de là où même les ancêtres de la personne ont commencé. Donc ça veut dire que ça va nous permettre de rentrer dans un salon qui va nous permettre d'aller maintenant dans les chambres. Donc c'est cette problématique qui a été beaucoup développée ce soir à travers la thématique-là. À cette occasion, l'invité du jour a vivement encouragé la jeunesse à renouer avec les racines culturelles et traditionnelles. Il a souligné l'importance de connaître et de valoriser les coutumes ancestrales pour préserver l'identité et l'héritage de la communauté. Dire à la jeunesse de ne pas avoir peur de revenir à ses valeurs, à ce que nous sommes. Parce que pendant longtemps, on nous a vraiment menti, on nous a amené à avoir peur de nos traditions, de notre culture, et on nous a fait tourner vers des valeurs qui ne sont pas nos valeurs. Donc moi je dis à la jeunesse, il n'y a pas de peur, il n'y a pas un diable assis quelque part, il n'y a pas un démon qui vous guette quand vous venez à la source. La preuve c'est que si nous nous sommes venus ce soir nous entretenir avec vous, c'est parce que c'est la preuve qu'il n'y a rien de maléfique derrière. Voilà nous ne sommes pas des diables, des monstres. Je ne sais pas si parmi nous, quelqu'un a déjà rencontré un monstre ou un diable. En tout cas, tout ce qu'on tente de faire pour dénigrer nos traditions, je demande à la jeunesse de ne pas en fait, s'accrocher à ça, mais d'aller vers les maîtres, d'aller vers les vieux, d'aller vers les anciens, vers les aînés, de poser les questions. Parce que quand vous voulez rentrer dans quelque chose, il faut que vous posiez les questions pour lever le doute. Quand le doute est levé, on peut maintenant avancer. 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita est un espace de liberté d'expression animé par la jeunesse universitaire et ouvert à tous. Du lundi au vendredi à partir de 14h, tout au long de l'année académique, les jeunes se réunissent pour débattre et échanger. Kamita signifie terre des hommes à la peau brûlée, fait référence à l'Afrique. Cet espace de discussion permet non seulement de se former et de travailler la confiance en soi, mais aussi de participer activement à la vie démocratique. Boima TV, l'autre télé, by Pro Org.